Avant de découvrir l'ivresse de l'altitude, les jeunes participants d'Anti-Téméraire prennent le large. Embarqués par les bénévoles plaisanciers de Port-Olona, les voilà partis à la découverte de la voile, une expérience plutôt remuante. Le temps était plutôt gris, les vagues étaient un peu violentes. Ça s'est très bien passé, on était sur le bateau, ça, on faisait des vagues et tout. On pouvait dormir avec les vagues qui nous berçaient, quoi, à peu près. Les plus hardis ont même pris en main la situation. Portés par la confiance de leur hôte, quelques ados ont commencé leur formation d'apprentis moussaillons. Les capitaines du bateau, en fait, ils ont été très sympas avec nous. Ils ont même offert des cadeaux et tout ça. Et on a même piloté le bateau. Ils ont conduit le bateau qu'au début. Et le reste du temps, en fait, c'est nous qui l'avons conduit. À l'origine de cette sortie insolite, deux Rotary Club, celui de Chartres et son homologue des Sables d'Olonne. Ajoutez à cela l'envie d'accompagner deux associations d'aide aux enfants handicapés mentaux, en particulier autistes. Notre mission première est d'aider des associations caritatives. Et donc, par l'intermédiaire de ce week-end, on va pouvoir, par l'intermédiaire de la vente de repas, d'aide de différents sponsors, d'aider ces associations qui sont l'ASPIC et l'ADAPEI. De retour à quai, pas le temps de respirer, les jeunes ont embarqué dans un avion pour leur baptême de l'air. Dans la soirée, le parrain sablé de l'opération, Arnaud Boissière, est venu leur rendre visite avant un repos bien mérité, une nuit organisée à bord d'un voilier.